Bonjour à tous, j'ai écouté le dernier Metallica. All right. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, ici Aziz, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dealer de Metal, la chaîne on parle rock, la chaîne on parle metal, la chaîne on parle de tous ses dérivés, et aujourd'hui c'est le moment que tout le monde attendait, la sortie du nouvel album de Metallica. Je suis le premier, à vouloir être au taquet quand il s'agit de Metallica, etc. Là pour le coup, j'ai un petit peu laissé les autres partir devant parce que pour moi, Metallica, ça se consomme comme du bon vin. Tu te mets pas une caisse au bon vin, ok? Tu prends le temps, tu l'apprécies. Donc aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est un petit réact que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai pas du tout aimé. Donc n'hésitez pas à me dire dès maintenant en commentaire ce que vous en avez pensé de l'album. Je me ferai un plaisir de lire tous vos messages et puis ça va aider pour le référencement, je vais pas vous le cacher. Il va y avoir plusieurs étapes, on va commencer par mes attentes, ma première écoute. On va parler tout simplement du contexte aussi. Et puis c'est surtout, on va parler de Metallica de manière générale. Donc prenez un truc à manger, prenez un truc à boire, parce que là on est parti pour parler du nouvel album de Metallica intitulé 72 Seasons. Let's go. Ok, donc cet album, déjà pour commencer de manière hyper simple, moi, bah j'ai adoré, ça répondait à certaines attentes. Tout mon cahier des charges n'a pas été rempli, mais bon du coup, on parle quand même de Metallica, on parle de plus de 40 ans de carrière, on parle d'un groupe qui n'a plus besoin de faire ses preuves au final. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il révolutionne la musique? Non. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il mette de l'électro? Non. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il prenne une énorme prise de risque? Non, tout simplement, parce que du coup, quand Metallica prend des risques, c'est pas du tout apprécié. Donc là, on a quand même un album qui, je pense, globalement, est du Metallica. Il y a vraiment un côté introspection que j'aime beaucoup dans cet album-là. Bon, je vous le dis tout de suite, moi j'ai fait LV2 espagnol, donc du coup, les trucs latins, etc., j'ai pas trop compris. Ce que j'ai kiffé, c'est que la manière de vendre l'album, là, sur cette sortie-là, ils se sont mis au goût du jour. Plusieurs singles, comme on peut faire aujourd'hui sur Spotify, machin, etc. Et faut avouer que, à chaque fois, ça a marché. Donc c'est simple, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que j'aurais pu jouer la carte React à chaque sortie de single. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont très bien fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mon avis, mais pour moi, Metallica, bah, c'est l'un des derniers groupes où en fait, je vais écouter un album, parce qu'il propose quand même une aventure musicale, tout simplement. Ce à quoi je m'attendais, c'était du riff, du refrain, de la chanson quand même, des solos, un truc qui est un petit peu dans la continuité de Hardwire, en fait. Et je dois dire qu'à la première écoute, le truc est passé d'un trait et j'ai pas vu le temps spécialement passer. Donc c'est plutôt un bon signe. En plus, j'étais en voiture, etc. Au niveau de mes attentes, voilà, donc un truc un petit peu Hardwire, dans la suite logique. Évidemment, on attend ce qui est le mix parfait entre Master of Puppets, le Black Album, And Justice for All. Donc c'est toujours un petit peu confus quand on s'attend à un nouveau truc de Metallica, parce qu'on veut du nouveau, mais pas trop, parce que quand même, faut pas trop qu'il change. Donc déjà, j'aimerais qu'on parle de la pochette. Un jaune qui a ce qu'il y a de plus jauni, des références à l'enfance, un berceau complètement explosé, on peut trouver des guitares, on peut trouver des peluches, on peut trouver des haltères. Je dois vous avouer que déjà pour la pochette, je me suis dit, putain, c'est vachement dégueulasse en fait. Alors je sais pas si c'est parce que c'est Metallica ou pas, mais la pochette fait quand même parler. Avant même d'écouter de la musique, on a une pochette bah, qui fait débat. C'est bien, c'est pas bien, c'est hyper subjectif. Mais le truc, c'est que ça fait quand même parler. Ça donne pas envie d'acheter l'objet, mais pour le coup, ça fait quand même parler. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas une bonne chose, un petit peu comme sur Death Magnetic, où il y a plein de gens qui s'étaient fait leur propre version de la pochette. Voilà, je vous laisse aller checker ça sur le net, il y a des trucs vraiment hilarants sur la pochette de Death Magnetic. Donc, au final, est-ce que le but d'un groupe aujourd'hui, c'est pas de faire débat, de faire parler de lui? Si c'est le cas, Metallica, là, bah encore une fois, tout cassé. Parce que ce qu'on attend de Metallica, c'est de revenir à un son plus jeune. Le but de cet album-là, ils ont tenté de faire ça. Le premier titre, Lux Eterna, fait clairement penser à un It's the Light. Ça va vite, il y a une influence énormément Motorhead, etc. Donc déjà, d'entrée de jeu, on a des titres qui sonnent légendaires. Voilà. On sait que Metallica, aujourd'hui, ne joue plus dans des petites salles, ça joue plus aussi rapidement, on est dans l'efficace, on est dans la puissance du son, et clairement, quand on t'écoute l'album, c'est ce qui est vendu. Pour moi, à la première écoute, j'étais là genre, ok, on est sur le tempo stade, headbanging, on est sur du Enter Sandman, du titre légendaire dans ce style-là. Le truc où tu dis, mais ce titre-là, je l'ai déjà écouté. Il y a ce truc un petit peu cool comme ça, mais qui peut être réfractaire auprès des gens qui s'attendaient vraiment à des riffs vraiment monstrueux. Il y a des riffs vraiment monstrueux, on est vraiment sur du tempo genre beaucoup plus lent, on est dans le fond du temps. Hein. C'était déjà vendu dans Hardwire, c'était aussi dans Death Magnetic. On est dans du gros son, dans du lourd, dans du Metallica quoi. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai attendu de voir un petit peu tous les avis parce que je voulais aussi des nouveaux articles, voir comment le groupe avait appréhendé
la composition de l'album, mais là on a vraiment l'impression que c'est l'album de James Hetfield. Et le truc cool avec ça, c'est que on a ce James Hetfield qui raconte des histoires, qui parle de lui, qui se livre à nous, la Metallica Family. Le truc un petit peu dommage, c'est que du coup on a un petit peu l'impression que les titres se ressemblent. Alors j'ai hâte de voir comment ça a été composé, etc. Surtout qu'il y a des grattes à l'ancienne qui sont sorties, ils ont vraiment voulu jouer le jeu old school à fond. Donc il y a aussi beaucoup de gens, alors j'ai entendu un truc là, on m'avait balancé comme quoi James Hetfield était auto-tuné. Alors pourquoi pas, moi je n'entends pas à mes oreilles, c'est comme si, enfin... Ouais, ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'au niveau des traitements, la voix de James Hetfield, elle est un peu plus produite. Beaucoup plus de Robert Trujillo dans les bacs, mais j'ai pas l'impression de l'entendre autant que ça. Il y a beaucoup plus d'harmonie. La prod est quand même ce qui se rapproche le plus du live. Donc on a cette caisse claire hyper synthétique, et on va en parler de cette caisse claire-là. La batterie hyper en avant, parce que c'est Metallica et c'est Lars Ulrich qui est... Et voilà. On a une basse quand même un petit peu en retrait. Enfin voilà, dans toutes les productions qu'on nous propose aujourd'hui avec du beaucoup de bas, des sous-accordages, etc., Metallica a pris le truc à contre-pied et a proposé un mix beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... qui respire un petit peu plus. Donc là, si je regarde sur mon Spotify, on a clairement un album qui se fout pas de notre gueule. Voilà, on veut du Metallica, on veut des chansons longues, on veut avoir un voyage musical. Et là, quand je regarde un album qui dure 1h17, tu te dis... Ah, on s'est pas foutu de ma gueule. Mais du coup, t'as un peu l'impression que si, parce que t'as un petit peu l'impression qu'il y a des plans un petit peu trop longs pour rien. Mais du coup, je fais un petit peu l'avocat du diable parce que j'essaye d'être objectif avec Metallica tout en étant hyper fan. C'est que du coup, dans la manière de composer de Metallica, j'ai un peu l'impression que dans cet album-là, il est clairement taillé pour le live. Alors j'imagine avec des arrivées, j'imagine avec des explosions, j'imagine vraiment une expérience live. Grâce à cet album-là, j'ai écouté vraiment l'album 3 fois en entier, donc pour l'instant, j'ai pas trop les titres des morceaux, mais c'est vrai que bah, Lux Eterna, le premier titre qui a été balancé, ça a été vachement cool. Il y a un titre que je trouve mortel là, c'est celui qui fait palabam, bam, balalam, papata, 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 papata. Cette intro est beaucoup trop longue. C'est beaucoup trop long. Là, si je regarde juste la petite setlist, on a le titre 72 Seasons, du coup, qui ouvre l'album. Et là, on est vraiment sur du Metallica un petit peu fast, avec un tempo assez rapide. Donc ça, c'est cool. On a Shadows Follow, ça, je pense que pour l'instant, c'est mon titre préféré. Je sais pas vous, mais c'est mon titre préféré. Il y a Sleepwalk My Life Away, une intro assez surprenante, qui groove à mort. Voilà, ça groove à mort. Et pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai l'impression que Robert Trujillo a été vachement plus impliqué. Et là, vraiment, je parle d'implication. Pas tant, je viens jouer, faire de la basse, faire bim bam boum et je prends mon chèque. Non, on a vraiment l'impression qu'il a été force de proposition sur cet album-là. Encore une fois, je spécule et j'attends de voir comment ça a été composé pour confirmer si oui ou non j'avais raison. Pour moi, James Hetfield, c'est celui qui a apporté la petite valeur ajoutée, comme à chaque fois. Mais, c'est que dans sa manière de chanter, je trouve qu'il a essayé de sortir de sa zone de confort en présentant des trucs qui... peuvent sonner, des fois t'as un peu l'impression que ça sonne Megadeth, Ghost ou Pantera, même un petit peu Chris Cornell. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est amusé dans sa manière d'interpréter les morceaux. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça. Mais pour moi, l'argument de James Hetfield, autotune, machin, etc., bah, c'est un peu de la merde parce que du coup, au niveau de la promotion, et là je fais une super transition sur la promotion, c'est que Metallica a fait une semaine complète au Jimmy Kimmel Live et sur Octane, Sirius XM, je sais plus, enfin sur une giga radio, et les mecs jouent en live, à moins d'avoir préenregistré les trucs, faire un playback hyper bien calé. Il n'y a pas d'autotune, non, ça joue. Et les mecs, ils ont 60 ans, et à 60 ans, je suis pas sûr d'être suffisamment en forme pour jouer la musique qu'ils jouent. Donc juste ça, ça force quand même le respect. Pour moi, il y a une énorme prise de risque niveau vocal, tout en essayant de garder une identité qui est propre à James Hetfield, quoi. Et on retrouve même un James Hetfield un petit peu load et reload, qui raconte des histoires et qui chante. Non, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé. Je sais pas s'il a eu le temps de vraiment se poser sur la manière de chanter et d'interpréter les titres, mais c'est vraiment très plaisant de voir un James Hetfield tout simplement créatif. Un des éléments vraiment très 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 important sur ces 2-3 dernières années autour de Metallica, ça a été le revival Stranger Things avec Master of Puppets. Je vais pas vous refaire l'histoire. J'ai comme l'impression que le groupe a voulu présenter quelque chose de pas trop différent à la nouvelle génération qui commence à suivre Metallica, quoi. Donc c'est vrai que quand tu découvres Metallica avec un Master of Puppets dans Stranger Things et que derrière ils auraient proposé un Sightanger, il y aurait peut-être eu un petit décalage. Je pense vraiment que sur cet album-là, ils ont voulu retrouver de manière la plus fidèle leurs racines, quoi. Mais du coup, on arrive un petit peu au point un petit peu négatif de cette vidéo-là, même si
Comme je te l'ai dit, hein, je suis un petit peu l'avocat du diable et à chaque fois je vais trouver une raison. Hein, vous voyez par A plus Ziz que j'ai raison quand il s'agit de Metallica. Il y a vraiment des gros points faibles. Et franchement, quand je dis ça, c'est pour vraiment pour mettre un équilibre, pour éviter que voilà, on dise que je suis pas objectif, alors que je suis objectif. Alors faites attention. Déjà, on va parler des solos. Voilà, je sais pas, Kirk Hammett là sur cet album là, un peu l'impression qu'il était pas inspiré. Alors est-ce que quand il était plus jeune, il allait en studio, il faisait son solo, il faisait trois prises et c'était fini? Peut-être que c'est ça, peut-être qu'ils ont remis cette manière de bosser là en avant. Encore une fois, j'attends de voir comment les vidéos de composition sont faites, parce que je sais que Lars est hyper à fond sur la création des solos. Ouais, je sais pas, je sais pas trop quoi penser des solos. C'est vrai que quand j'écoutais l'album, à chaque fois j'étais genre waouh, mortel, mortel. Et quand le solo arrivait, il y avait comme un... Ouais, tu bascules vers l'arrière, quoi. Moi, Kirk Hammett, sa manière de faire des solos, j'aime beaucoup. C'est très Kirk Hammett, quoi. C'est de la wah-wah, c'est de la pinta, c'est un petit peu... on va dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu une interview, parce que là, il y a un petit peu un bad buzz qui est en train de se créer autour de ça. Il y a plein de mecs, plein de youtubeurs qui l'ont clairement défoncé. Voilà, qui l'ont clairement défoncé. Et il se retrouve à devoir répondre à ces critiques-là. Il disait que pour lui, en fait, c'était plus important d'avoir un solo qui sert la chanson, plutôt qu'un solo hyper démonstratif, etc. Là où je peux comprendre et là où je suis pas d'accord, parce que du coup j'ai un peu l'impression que sur certains solos, à l'exception de 2-3 titres, quand j'écoutais, j'étais genre « Ah oui, il faut un solo, ok, bon, voilà, cœur qui fait son solo, voilà. » Refrain ou gros riff. Je suis un petit peu partagé. Peut-être c'est parce que je l'ai vraiment écouté 3 fois et que je me suis pas encore imprégné des morceaux, parce que je trouve le solo de Lux Eterna vraiment très cool. Voilà, donc est-ce que c'est parce que c'est le premier titre qui est sorti? J'en sais rien. Pour moi, un des gros points faibles de cet album-là, c'est les solos. Et aussi, c'est aussi la caisse claire. Ah, la caisse claire, parce qu'on parle de solos de guitare, mais il y a aussi des solos de caisse claire. Lars, encore une fois, il a son jeu hyper Lars Ulrich, où il en met des caisses, etc. Où il appuie ses snares sur les riffs. J'ai un peu l'impression que là, il est parti en roue libre. Il est clairement parti en roue libre. Il y a vraiment des fois des parties, t'es là genre, waouh, mais... Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah, je sais pas trop quoi penser, j'ai un peu l'impression de partir un petit peu en live dans ma réflexion, mais c'est vrai que quand t'écoutes l'album et que tu restes concentré sur la caisse claire, tu dis « Ouais, mais y a pas besoin, y a pas besoin de autant, quoi. » Le truc cool, c'est qu'en live, tu vas pouvoir retrouver exactement les mêmes parties, parce que c'est vraiment jouer à l'instinct. Et encore une fois, je me répète, mais j'attends de voir les fameuses vidéos making-of, et je sais que Metallica a ça en stock, donc j'ai vraiment hâte de les regarder. Mais pour continuer, du coup, dans ces parties-là un petit peu négatives, c'est qu'il y a vraiment plein de riffs, il y a vraiment un groove, il y a vraiment un tempo où Metallica excelle, mais je trouve un peu trop long. Donc est-ce qu'ils sont dit, on est Metallica et faut faire en sorte que l'album fasse une heure minimum? Quoi qu'il arrive, ça va marcher parce que ça va trouver son public. Donc en gros, voilà pour les mauvais côtés. C'est pas des vrais mauvais côtés, c'est juste moi en tant qu'auditeur et fan de Metallica. Parce que pour le coup, c'est quand même un album de Metallica qui fait du Metallica. Et pour certains, bon... C'est peut-être du Metallica qui essaye de faire du Metallica. Et en même temps, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, s'ils avaient tenté de faire un truc totalement différent, ça aurait pas marché, clairement. Donc, on arrive enfin à la petite conclusion de cette vidéo-là. Cet album, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Bah déjà, je suis pas ta mère, je suis pas censé te dire ce qui est bien ou pas bien. J'aimerais que tu fasses ton propre avis. Si tu l'as pas écouté, va l'écouter. Quand tu l'auras écouté, tu pourras me donner ton avis. Pour moi, l'album, il est bien. Bah, c'est un bon album de Metallica. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs albums qu'ils ont sorti ces dernières années. Voilà, je le dis comme ça, un des meilleurs albums. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on y retrouve une envie de jouer. Là, j'ai vraiment l'impression que les mecs, ils ont eu envie de se faire plaisir. Il y a une envie de modernisme sans vouloir faire du jeunisme. Bah, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu rester fidèles en proposant une manière différente de découvrir Metallica. Et aujourd'hui, Metallica, on le sait très bien, et puis ils le disent clairement, pour eux, le but, c'est de faire perdurer le nom. Et quand tu veux faire perdurer un nom, eh ben, t'essayes d'aller chercher des gens plus jeunes. Je pense pas que cet album-là soit pour le mec qui a découvert Master of Puppets, tu vois. Enfin, au moment où il est sorti, sur la tournée de Kill Em All, où ils ont joué à la boule noire avec Cliff Burton, tous ces gens-là, on a compris que Metallica, c'était les 4 premiers albums, et après, c'est tout. Ceci étant dit, si le groupe a perduré aussi longtemps, c'est que à chaque fois, ils ont essayé de présenter quelque chose de nouveau pour faire adhérer une nouvelle génération de fans, tout simplement. Et j'en fais partie. Les jeunes adolescents qui sont à fond dans Stranger Things, etc., qui découvrent Metallica, pour eux, ça va être un très bon album. Ça va être leur album de référence. Et
en tant qu'album de référence. Franchement, c'est classe. Du coup, s'ils veulent en découvrir un petit peu plus avec les albums précédents, eh ben ils vont pas être paumés, sauf s'ils écoutent Lulu. On est vraiment sur un album qui remplit un cahier des charges, qui est cool, qui se laisse écouter, mais c'est surtout qu'il faut prendre le temps. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, on est obligé de devoir tout servir rapidement, donner son avis, nanana. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo jusqu'à présent sur Metallica. J'ai vraiment fait en sorte d'écouter à trois moments différents de ma journée, en faisant trois activités bien différentes, et je dois dire que cet album-là m'a emporté. Donc oui, pour moi, c'est un bon album de Metallica. Donc voilà les amis, c'était ma petite vidéo review. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui l'attendaient. Je trouve ça bizarre, mais c'est toujours cool de savoir qu'il y a des gens qui attendent mon travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non. Bah tout simplement. J'espère vous voir au Stade de France. J'espère avoir des places. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!